axe qu'on dérive, et le moment cinétique par rapport à un axe, c'est tout simplement ce qu'on a déjà écrit avant, c'est ici en fait, c'est la vitesse angulaire fois le moment d'inertie. Donc, bon. Dans les TD en général, on va vous donner le moment d'inertie. Mais vous avez vu comment on calcule, vous avez la relation ici, maintenant vous savez le faire, vous pouvez le faire. Alors, oui, il y a quelqu'un qui dit quelque chose. Non, c'est la vitesse angulaire, on ne peut pas dire accélération angulaire. Oui, si on dérive deux fois, oui, on peut dire accélération angulaire, tout à fait. Vous avez raison, pardon. Ça, c'est la vitesse angulaire, ça, c'est l'accélération angulaire. L'accélération, c'est une dérivée seconde, tout simplement. Qu'est-ce que je vais dire d'autre pour refaire le point sur ce qu'on a déjà vu? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, en fait, ce que je disais, c'est que le moment d'inertie, soit on vous le donne, soit vous allez le calculer selon l'approche que nous avons déjà vue ensemble. Alors, il y a quelqu'un qui aurait dû me poser une question, vous ne l'avez pas fait, parce que je pense que c'était clair pour vous. C'est que quand je fais ici, moi, en physicien, je fais l'intégrale sur le solide de R carré dm. L'intégrale sur le solide, vous comprenez très bien, c'est une intégrale triple, c'est dans l'espace. Donc, en fait, quand je mets sur le solide, c'est ce qu'on a déjà fait, les exemples de la sphère, du cylindre, on a toujours intégré, c'est une triple intégrale en général, même toujours. Donc, en fait, quand je mets ici sur le solide, le D de M, c'est la masse volumique fois D d'auto, l'élément de volume, et l'élément de volume, il y a trois coordonnées. Donc, l'intégrale qui est ici, je vais la jouer. Donc, l'intégrale qui est ici, vous comprenez très bien, on l'a déjà fait ensemble, c'est une intégrale sur tout le solide, donc en fait, c'est une intégrale dans les trois directions de l'espace, sur les trois dimensions de l'espace. D'accord, c'est ça que j'ai oublié de dire avant. Mais bon, ça, je pense que vous l'avez compris parce qu'on a fait des exemples pour calculer le moment d'inertie d'une sphère, d'un cylindre, d'une coquille, je ne sais pas ce qu'on a fait. Bien, donc voilà pour ça. Alors, dans la pratique, c'est ce que je viens de vous dire. Vous allez calculer le moment d'inertie, vous allez le dériver. Et la dérivée du moment d'inertie, c'est le moment cinétique qui est là, qu'est-ce que je raconte, le moment cinétique. Vous allez le dériver, la dérivée, c'est la somme du moment des forces extérieures. Et avec ça, vous allez établir le mouvement de votre solide. Parce que l'objectif final, c'est quand même d'étudier le mouvement des solides en fonction des forces appliquées. D'accord? Donc voilà, cet exemple-là, pour ça j'ai changé ce cours, la numéro 6. J'ai fait un exemple à la fin dans lequel on va appliquer ce que je viens de vous dire. On va calculer le moment cinétique, on va le dériver, on va faire la somme du moment des forces. Pour appliquer ces choses-là. Alors, donc, cette relation qui est là, je vous ai mis une application qui est ici, du moment cinétique, donc c'est ce qu'on a ici, la somme des moments de force, là-bas, les forces, ils sont sur l'axe, donc le moment d'une force de P par rapport à l'axe delta, si vous mettez un point M ici, vous mettez OM, c'est parallèle. Donc là, à partir du moment où la force, il n'est pas sur l'axe, donc le moment, ça vous l'avez vu, le moment de la force égale à zéro. Donc, la dérivée du moment cinétique, c'est la dérivée de I de cette quantité qui est là, et donc on a égal à zéro. Dans la mesure où la dérivée égale à zéro, l'intégrale est constante, ce qui montre que votre patineur ou patineuse, son moment d'inertie fois la vitesse angulaire doit être toujours égal à constant. Donc, la dernière fois, on a discuté de ça lorsque la patineur ou la patineuse met les bras autour de son corps, parce qu'elle a diminué le moment d'inertie, la vitesse angulaire augmente, et on peut même savoir de combien il va augmenter si on calcule correctement le moment d'inertie. Il ne peut pas augmenter à l'infini, il augmente de manière à respecter ce produit, moment d'inertie fois la vitesse angulaire égale à une constante. Voilà, c'est un exemple que j'ai rajouté par rapport à l'autre cours de l'année dernière pour vous montrer une application de ce théorème qui est ici, qu'on va utiliser encore. Et tout ça, moi je vous fais un résumé, mais vous avez vu que ça passe par des calculs rigoureux, des calculs vectoriels qui ne sont pas compliqués, mais voilà, ce genre de choses-là pour montrer cette relation-là, ça ne vient pas, c'est pas empirique, c'est une démonstration qui vient d'une relation vectorielle, d'intégrale. C'est pour ça que je fais ces petits calculs, pour vous montrer que les choses, c'est des choses rigoureuses et ce n'est pas des approximations. Bien, donc voilà une application du théorème du moment cinétique, c'est celle-là. Donc, ce théorème-là, on va encore l'utiliser, d'accord, pendant ce cours, et vous allez l'utiliser encore au moins dans le TD6 et le TD7, vous allez l'utiliser aussi.
Donc, après, on est parti pour définir les torseurs qui nous manquaient, c'est-à-dire le torseur cinétique, et après, on va définir le torseur dynamique. Alors, le torseur cinétique, bon, bah, c'est là. D'abord, on définit le moment cinétique, ce qu'on a déjà fait plusieurs fois par rapport à un point A, c'est la relation qu'on a vue ici, et on montre la règle de transport, c'est la règle Baba. Donc, on a bien que le moment cinétique vérifie la règle de transport. Donc, dans ce cas-là, bah, le torseur cinétique, bah, c'est tout simplement le torseur qui est formé par la résultante de ce torseur qu'on appelle P, qui est l'intégrale des quantités de mouvement pour chaque point M du solide, et le moment que j'appelle sigma A, qui est le moment cinétique. Et ce torseur-là, c'est ce qu'on a fait ici. Le moment, c'est ça, et la résultante, c'est la quantité de mouvement totale. Et donc, le torseur cinétique est formé de la quantité de mouvement totale et du moment cinétique. Donc, ça, on l'a fait. On l'a refait. Donc, la quantité de mouvement total, c'est très important. Ça se réduit, cette intégrale-là, on a fait deux lignes et on montre que la quantité de mouvement total pour un solide, bah, c'est tout simplement la masse totale fois la vitesse du centre de masse ou du centre d'énergie G. D'accord? G, le centre d'énergie. Et dans ce cas-là, le torseur cinétique, on l'écrit comme ceci, avec une résultante qui est là et un moment qui s'écrit par rapport à un point A. Voilà, vous voyez qu'il y a des choses maintenant, au début, c'était une nouvelle notion, mais maintenant, les choses se répètent et on va le répéter plusieurs fois en cours, en TD, et vous allez le répéter encore plus dans les 3 années qui vont suivre votre formation. Donc, c'est pour ça que, comme je vous ai dit au début du cours, il y avait deux façons de faire ce cours. Soit on le fait sans cette notion-là, soit on le fait avec. De toute façon, tôt ou tard, vous allez avoir cette notion-là. Donc, autant commencer par aborder cette notion de torseur qui va servir et que vous allez utiliser pour la suite. Bien, alors le théorème de Koenig, il concerne il y a deux théorèmes qu'on a déjà vus dans le cas de. Donc, on a déjà vu, je vous montre le plan du cours. Si vous regardez bien le plan du cours, voilà. On a déjà vu lorsqu'il s'agit du système de points matériels. Donc, on a déjà vu le théorème de Koenig, les deux théorèmes ici. Et donc, je vous ai dit à l'époque, ces théorèmes-là, bah, si vous pouvez aller les revoir, vous avez le cours, déjà, que vous avez téléchargé sur MLS, vous allez voir qu'effectivement, ce qu'on fait en ce moment, c'est juste au lieu d'avoir des sigma, on les remplace par des intégrales. Mais la notion, on l'avait déjà abordée ici. Donc là, encore pareil, on est en train de se répéter, mais parfois se répéter, ça permet de bien fixer les notions. D'accord? Donc c'est ces théorèmes-là qu'on va utiliser pour le solide, pour un système continu, alors qu'on l'avait déjà abordé pour un système discret, un système de points matériels. D'accord? Excusez-moi. Bonjour. Excusez-moi. Il y a une question? J'entends quelqu'un parler, c'est juste. Oui, Oui, vous m'entendez? allez-y. Oui, je vous Oui, entends, allez-y. parce que du coup, j'ai remis mon cours. Et en fait, on avait appliqué le théorème de Koenig avec le moment cinétique, mais du coup, il est aussi applicable avec le moment dynamique. Enfin, ça reste Avec aussi. l'énergie cinétique, oui. Parce qu'en fait, là, je reviens en arrière. Je ne sais pas si vous avez. Voilà. Le cours qui est là, on avait deux théorèmes. Un qui concerne le moment cinétique. Et l'autre qui concerne l'énergie cinétique. Donc, on les avait pour les systèmes de points matériels et on va les voir pour le solide. Mais avec C'est le la moment question là. dynamique, Mais là, avec là, on n'a pas fait, je crois, avec le monde dynamique, il me semble. Hein. Je le pourrais moment voir mon. non, ça on l'a pas fait, mais je me demandais si ça marchait aussi. Je vais l'appliquer avec. Le moment dynamique, on va voir autre chose. La relation entre le monde cinétique et le monde dynamique. D'accord? On a une relation qui relie le moment cinétique au moment dynamique. On verra un peu plus tard. Non, le théorème Koenig, il n'y a que de deux. Ça concerne, il n'y a que deux théorèmes, il n'y en a pas plus. Il n'y a pas un troisième. Ça ne marche pas. Ça marche qu'il y a deux théorèmes cinétiques et énergie cinétique. Mais il n'y a pas un troisième théorème. Sinon, je l'aurais fait avec vous. Il n'y a que ces deux théorèmes-là. Vous allez rencontrer que ces deux-là et pas d'autres. Si la question est celle-là, voilà ma réponse. Voilà. Merci. Bien, donc ce que je disais, c'est effectivement, on l'avait vu ici. On va le revoir, c'est ça, on va le revoir ici. Ici et ici, dans les torseurs cinétiques. Et donc, le torseur dynamique, on le verra à la fin, pour voir la relation entre tous ces torseurs. Bien, alors, je reprends le cours qu'on a déjà vu, juste pour insister sur les choses. Voilà maintenant le cours. Le cours, il est toujours valable. Hein. C'est des relations mathématiques démontrées de manière rigoureuse. Donc, vous pouvez toujours l'utiliser. Il n'y a aucun problème.
qu'on voulait. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est qu'en fait, la quantité de mouvement total, bah, c'est la masse fois la vitesse de g. Et ce que je vous ai dit, que si je dérive la quantité de mouvement total par rapport au temps, bah, ça, c'est la dérivée de ça. Et la dérivée de la quantité de mouvement, c'est tout simplement la somme des forces appliquées. Donc on est déjà dans la dynamique, le principe fondamental de la dynamique appliquée au solide. La dérivée de cette quantité-là, c'est la somme des forces appliquées. Donc la masse fois l'accélération de g, c'est la somme des forces appliquées. C'est ce qu'on va voir plus tard. Donc là, pour répondre à l'étudiant qui vient de poser la question, là, on a déjà, quand on écrit ça, on aperçoit déjà l'aspect dynamique. Parce que P égale à ça, si je dérive ça, je trouve la somme des forces. D'accord ? Donc, mais ça, on va y revenir dans le dernier cours, la relation entre les torseurs, que ce soit cinétique ou dynamique. Vous voyez, déjà, il y a une relation ici évidente qui vous saute aux yeux. Si je dirige la quantité de mouvement, c'est la somme des forces appliquées. Et dans ce cas-là, on relie le torseur cinétique au torseur dynamique qui, lui, concerne les forces et les accélérations. Oui, je vous écoute. Non, ça va. Donc, voilà, pour le torseur cinétique, ben, vous l'avez, on va l'utiliser. J'ai fait un exemple dans ce cours à la fin. Et si jamais on a le temps, dans le dernier cours, j'en ferai d'autres. Hein, pour essayer d'illustrer sa notion de torseur et son utilisation dans un problème de mécanique. Donc le torseur cinétique, ben, on l'a vu. Je voulais insister sur cette relation-là parce que, pour ce que je viens de vous dire, parce que si je dérive ça, c'est la somme des forces, donc c'est la masse fois l'accélération du centre de masse égale à la somme des forces. Après, on verra aussi le lien de ça avec le torseur dynamique, on verra plus tard. Théorème de Koenig. Alors, théorème de Koenig, ce qui est intéressant, tout est intéressant, tout ce qu'on a fait là est intéressant, mais l'aspect pratique des choses, c'est ce que je vous ai déjà dit, c'est qu'en fait, le moment cinétique, le théorème du moment cinétique, la dérivée du moment cinétique, par exemple, est égale à l'ensemble des moments des forces. Alors, théorème de Koenig nous dit la chose suivante. On nous dit que le moment cinétique du centre de masse, du centre d'énergie G, peu importe où vous le calculez, pour un repère fixe, dans un repère barycentrique, d'accord ? Dans un référentiel barycentrique ou un référentiel fixe, peu importe, c'est la même chose. Alors, en pratique, ce qu'on va faire, nous, l'exemple que je vous avais déjà dans ce cours-là, à la fin du cours, il y a un exemple. Puisque c'est la même chose, je ne vais pas m'embêter à faire les choses compliquées, je vais faire les choses simples. Ça veut dire quoi? Puisqu'on me dit que c'est la même chose, bon, dans ce cas-là, je calcule le moment cinétique dans le référentiel barycentrique, parce que c'est plus simple à faire. D'accord? Alors que si je le calcule là, il faut que je prenne en compte pour chaque point. Dans ce repère-là, et que le calcul est plus compliqué. Donc, en fait, il est plus simple de faire le calcul dans le référentiel barycentrique. Dans ce cas-là, ben, je vais le faire ici, puisque mon théorème me dit que je l'ai fait déjà, et que si je fais le calcul, ben, je trouve la même chose. Effectivement, on trouve la même chose. Donc, je ne vais pas me compliquer la tâche. Koenig me facilite la tâche. On va le faire ensemble. Ben, le moment cinétique, au lieu de calculer dans R0, je calcule dans R, et surtout pour G, c'est valable uniquement pour G. J'insiste. Pour les autres points, non. Si je calcule pour un point, non, autre, non, ce n'est pas égal. C'est égal uniquement pour le centre de masse. Dans ce cas-là, ben, je vais prendre cette relation-là et je l'applique. Je ne vais pas la redémontrer. D'accord ? Je ne vais pas refaire ce que j'ai fait ici. Je vous dis, ben voilà, le moment cinétique par rapport à G dans R0 est égal au moment cinétique par rapport au n point G dans le référentiel barycentrique. Et ben, tant qu'à faire, ben, je vais le faire dans le référentiel barycentrique. Alors, après cette relation-là, ben, si on en a besoin, on va l'utiliser. Alors, ce qui est intéressant, c'est en fait la relation qui est là, c'est la relation, la règle de transport, c'est Babar. La seule chose qui est intéressante, c'est ce que je viens de vous dire, c'est qu'en fait, je remplace le moment cinétique en un point G dans R0 par le moment cinétique en un point G par RB. Parce que c'est parce qu'on a montré ça qu'on peut l'écrire comme ça. Voilà. Donc, dans le TD qu'on va faire, ben, dans les cas pratiques, ce qu'on va utiliser surtout, c'est cette relation-là. Pourquoi ? Bah parce que pour ce que je viens de vous dire. Et donc, on va le faire dans le dernier exemple de ce cours, c'est-à-dire lorsqu'on a un roulement d'un cylindre ou d'une bille sur un plan incliné. Donc, voilà, retenez ça. Bah, je vais vous dire, quand on va faire l'exemple, on va bien s'intéresser à tout ça. Quoi d'autre ? Oui, on s'est arrêté là. Donc, voilà le premier théorème de Koenig concernant le moment cinétique. Le deuxième, c'est concernant l'énergie cinétique. Alors, l'énergie cinétique, vous le savez depuis maintenant lycée, un point matériel, c'est 1/2 de la masse fois la vitesse. Donc, l'énergie cinétique, là, je mets R0. R0, c'est le repère fixe que j'ai en vert ici. J'aurais dû R égale R0, vous voyez, je l'ai fait ici, là, sur ce schéma-là.
R égale R0, ce que j'ai ouvert, c'est le R0. Et le R' ici, c'est le référentiel barycentrique. Donc, parce que, voilà, je n'ai pas changé cette figure, donc, mais bon, j'ai précisé ce que c'est qu'R0 et R'. Donc, l'énergie cinétique, vous voyez, on n'a rien inventé, c'est ce que vous savez, on n'a rien changé, c'est tout simplement 1 demi de la masse fois V. Ça, c'est pour un point matériel. Et nous, c'est un solide. Donc, je vais prendre un point d'eau solide avec une masse dm, un volume élémentaire, une masse dm, et j'applique ce que je sais, c'est 1 demi de dm fois la vitesse au carré. Alors, moi, ce que je cherche, c'est l'énergie cinétique du solide entier, ce que vous voyez ici au plan. Donc, j'intègre. Alors, l'intégrale, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'intégrale triple sur le solide. D'accord ? Donc, quand je mets solide ici, ça veut dire que c'est triple, parce que c'est dans les trois dimensions d'espace. Donc, de quoi ? De 1 demi de dm, je considère que j'ai un point matériel ici, presque la relation d'un point matériel, c'est v au carré de la masse m, du point m, dans R0. Et donc, c'est l'énergie cinétique dans R0 que je calcule. D'accord ? Bon, bah, c'est tout. C'est... Une fois qu'on a écrit ça, ben on va utiliser ce qu'on a déjà fait plusieurs fois et on va le réutiliser encore pour la troisième ou la quatrième fois. Ça veut dire que ben, j'écris la vitesse du point M dans R0 lorsqu'il s'agit d'un référentiel fixe R0 ou d'un référentiel en translation, le référentiel barycentrique. Parce que, pour la dixième fois, je répète que K' reste toujours pareil à K, G', G et prime. Donc, dans ce cas-là, uniquement, nous avons que la vitesse du point M, c'est égal à la vitesse du point G plus la vitesse du point M dans le référentiel barycentrique. Donc, c'est la relation que nous avons établie. Vous voyez, je l'ai déjà utilisée plusieurs fois, je la réutilise encore. Et donc, je fais le carré de cet ensemble de vecteurs. Donc, c'est des calculs vectoriels simples et pas compliqués. Vous avez fait des choses plus compliquées que ce que je fais ici. Et donc, je fais le carré. Bah, le carré, c'est A plus B au carré, donc c'est A, c'est la vitesse au carré de G, plus deux fois produit scalaire de cette vitesse-là, donc deux fois 1,5, il n'y a rien ici, là j'ai 1,5, là j'ai rien, et là j'ai la vitesse du point M dans le référentiel barycentrique au carré. Donc, voilà, je fais le carré de ça et je le développe ici, tout simplement. Alors, le 1,5 de dm fois la vitesse du point M dans le référentiel barycentrique, ben, ça c'est l'énergie cinétique. C'est l'expression d'énergie cinétique dans le référentiel barycentrique. Pourquoi ? Bah parce que je prends des vitesses dans le référentiel barycentrique. Donc, c'est ce que je clique ici. Donc, l'énergie cinétique dans le référentiel barycentrique, si je le calcule dans ce référentiel-là, j'utiliserai la relation qui est tout simplement 1 demi de dm, c'est la masse du volume élémentaire, fois la vitesse du point m. Donc, l'énergie cinétique dans le repère rb, c'est égal à 1 demi de dm, fois la vitesse dans le repère barycentrique rp. Donc, l'énergie cinétique dans R0, c'est égal à cette première intégrale, plus cette deuxième, plus cette troisième. On a dit la troisième, c'est l'énergie cinétique dans le référentiel barycentrique. La première, okay, on regarde bien, il est facile. La vitesse au carré de G par rapport à R0, bah, ça, c'est une constante, en fait. Il ne dépend pas de l'intégrale sur le solide. D'accord ? Donc, c'est pas une constante dans le temps, c'est... Ça ne dépend pas de cette intégrale-là. Donc, je peux sortir de l'intégrale. Il peut varier dans le temps, mais là, j'intègre sur l'espace ici. Donc, la vitesse de G, c'est la vitesse de G, peu importe où je me trouve sur le solide. Donc, je sors de l'intégrale et je me reste V carré de G sur R0, l'intégrale de dm sur le solide. Ben, l'intégrale de dm sur le solide, c'est la masse tout court. Donc, cette intégrale-là, c'est tout simple. C'est 1 demi de la masse totale du solide fois la vitesse au carré de G par rapport à R0. Plus, il me reste ce terme qui est là. Le terme qui est là, pareil, je sors de l'intégrale, cette vitesse qui ne dépend pas de l'intégration solide, parce que il dépend pas du. C'est une vitesse en un point, donc je sors de l'intégrale, il est là. Scalaire, ce qui me reste, bah, par contre, le point M, lui, dépend des solides. Si j'ai un terme solide, bah, je décris le point M, décrit tout solide, donc lui, il reste sur l'intégrale. Bien, ben voilà, on a une première relation ici. Donc, l'énergie cinétique dans R0, dans un repère fixe, on peut dire absolu, c'est égal à 1,5 de la masse totale fois la vitesse au carré du centre d'inertie, G, le barré centre, le centre de masse, c'est la même chose. Vous voyez, donc, quand on avait fait le point matériel, on s'arrêtait là. Mais maintenant qu'on est dans un solide, ben, y a tout ça, en fait. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a un volume.
Alors qu'avant, le point matériel, on s'arrêtait là. Ce que vous avez fait en terminale, ce qu'on a fait l'année dernière ensemble. Donc, il me reste ces deux termes-là. Avec, on a dit, ce terme qui est ici, ben, c'est l'énergie cinétique dans le référentiel par exemple. Et maintenant, il me reste ça. Il me reste ce terme qui est ici. Alors, si je regarde bien, je réécris juste ça, ici. Là. Donc, voilà, je réécris ce qu'on a dit. Je réécris le 1,5 de la masse fois la vitesse au carré de G par rapport à 0. Je réécris le terme qui nous reste et ça. Vous voyez que l'énergie cinétique dans R0, c'est 1,5 de la masse fois la vitesse du centre d'inertie au carré, plus l'énergie cinétique dans le référentiel barycentrique, plus un terme ici. Et ce terme qui est là, on l'a déjà vu, mais je le redétaille encore ici, ce terme qui est ici. Ce terme qui est là, c'est Vg scalaire, produit scalaire, cette intégrale-là. Et cette intégrale-là, elle est nulle. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la dérivée de Vm, c'est Gm, par rapport au temps, et l'intégrale de Gm d2m, c'est la définition du centre d'inertie. Donc ça, c'est égal à vecteur nul. Et donc le terme qui est là, il est nul, toujours. Donc au final, il nous reste quoi? Il nous reste que l'énergie cinétique, voilà le théorème de Koenig. Il nous dit que l'énergie cinétique dans un repère, par rapport à un repère fixe absolu R0, c'est effectivement ce que vous auriez s'il n'y avait que, s'il n'y avait pas de volume, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est 1,5 de la masse totale du solide fois la vitesse au carré de centre d'inertie, ou de centre de masse, ou du barycentre, G, dans R0, bien sûr, plus l'énergie du cinétique dans le référentiel barycentrique, du solide dans le barycentrique. Vous voyez, donc, l'énergie cinétique, maintenant, c'est plus uniquement ça, c'est ça, ce qu'on avait l'habitude de faire, plus une énergie calculée dans le référentiel barycentrique. Et donc, ça, c'est ce qu'on va faire aussi. J'ai un exemple. Dans ce cours-là, on va calculer ce terme. Alors, ce terme-là, on va en discuter juste après. Donc, voilà le théorème de Koenig, il est très intéressant et c'est ce qu'on va utiliser dans plusieurs exercices que vous allez utiliser par la suite encore cette année. Vous avez vu qu'on a 9 cours et 9 TD, me semble-t-il, ou 10. Donc, ce n'est pas beaucoup, mais par la suite, toutes ces choses-là, elles vont être supposées connues. Tout ce qu'on fait là, on passe du temps. Et après, tout ce que vous allez faire dans les années à suivre, c'est effectivement de les appliquer à des situations complexes, de systèmes complexes, mécaniques. Mais bon, l'essentiel des théorèmes, on est en train de les voir ensemble ici. Bien, alors, ce qui est en bleu là, j'ai la traduction de ce que je viens de vous dire, en langage en français, et donc, on peut l'énoncer comme ce qui est fait ici. Jaune foncé. Donc, l'énergie cinétique d'un système S par rapport à un référentiel R0. Alors, R0, on l'a bien dit, c'est un référentiel fixe, est égal à l'énergie cinétique de ce système, enfin, du solide en question, dans son mouvement autour d'un centre d'inertie G. Donc, dans son mouvement autour d'un centre d'inertie G. Alors, en langage clair, ça veut dire en fait dans le référentiel barycentrique. Augmenté de l'énergie cinétique du point G, du centre d'inertie, auquel on affecte la masse totale. La masse totale est liée à la flèche du solide. Donc, cette phrase qui est là, ça traduit ce que je viens de vous dire. Donc, l'énergie cinétique autour du centre G, c'est ça, dans le référentiel barycentrique. Et l'énergie cinétique du centre de masse affectée de la masse totale du solide en question. Donc, alors, tout ce qui est maintenant, ce qu'on vient de faire, c'est très bien. Ça vous montre comment on y arrive. Alors ça, j'insiste, parce qu'il y a des cours que vous pouvez consulter sur des livres ou Internet. Ils ne vous demandent pas ça. Bon, tant que vous suivez, que vous dites pas qu'on n'en veut pas, je vous ferai toujours comme ça. Je vous montre d'où viennent les relations. Parce que très bien, à la limite, je peux très bien dîner ça, dire admettez-le, et après, on passe aux exercices. D'accord? Mais bon, tant que vous suivez ce que je fais et que vous ne trouvez pas ça compliqué, et ce n'est pas compliqué, vous pouvez le voir, je le ferai comme ça. Mais dans les TD, c'est ça qu'on va appliquer. D'accord. Dorénavant, on pose ça directement, on n'aura pas à le justifier, la justification elle est de tout ce qu'on a fait ensemble ici. D'accord. Donc, c'est 2 slides ici. Donc, je ne vous demanderai pas de le refaire, mais bon, avoir compris, c'est bien. Bien, alors maintenant, ce théorème, là, de Koenig, le deuxième théorème qui concerne l'énergie cinétique, on va le décliner dans les deux situations les plus que vous allez rencontrer le plus.
dans une situation extrême. Situation extrême, ça veut dire lorsque ce terme-là est nul, ou alors lorsque ce terme-là est nul. Qu'en est-il de cette tirage d'utilité? La deuxième situation extrême, c'est la suivante. C'est, donc, le théorème de Koenig, bah, c'est ça, c'est ce qu'on vient de faire ensemble. Alors, maintenant, lorsque les deux situations extrêmes sont la suivante, un, dans ce vide, il n'a pas de mouvement de rotation autour de repère R', référentiel baryzantrique, c'est lui qui est en rouge ici, vous voyez dans vos yeux. Supposons qu'il ne tourne pas. Donc, il n'y a qu'une translation. S'il n'y a qu'une translation, bah, si je prends un point M ici ou ici, peu importe, bah, la vitesse du point M dans ce repère-là, dans la mesure où j'en suis l'indéformable, bah, la vitesse elle est nulle. V de M, elle est nulle. Donc la vitesse de M dans le référentiel, dans le cas uniquement de translation, parce que vous imaginez, si elle tourne, bah, dans la mesure où j'ai ces trois vecteurs fixes, ce point M-là ou ce point M-là, s'il tourne, bah, sa vitesse elle est nulle, forcément. Mais s'il ne tourne pas, bah, effectivement, G se déplace en translation, mais M aussi de la même vitesse. Et donc, la vitesse de M par rapport à son référentiel qui est lui-même en translation, bah, c'est nul. Donc, si j'ai uniquement une translation, ça, je pense que vous le comprenez, je n'ai pas besoin de faire plus de phrases. Si j'ai une translation, bah, j'ai un point M, bah, dans son repère qui est collé, fixé sur le solide, n'importe quel point M de solide, sa vitesse est nulle. Donc, cette énergie cinétique dans le référentiel barycentrique du solide, bah, tout simplement, il est nul. Pourquoi? Bah, parce que la vitesse est nulle. Dans le cas uniquement de translation. Vous voyez? Dans ce cas, on a uniquement une translation du solide, les vitesses de n'importe quel point égale à zéro. Dans ce cas-là, ce terme-là, il est nul. Et vous avez, donc, dans le cas uniquement de translation de votre solide, il n'y a pas de mouvement de rotation. Dans ce cas, l'énergie cinétique dans le repère R0, bah, c'est égal, il se réduit, dans la mesure où on a dit que ça c'est nul, bah, il se réduit à ce qui reste, c'est-à-dire il reste ce terme-là. Et ce terme-là, c'est tout simplement 1 demi de la masse totale fois la vitesse du centre de masse au carré, la vitesse du centre de masse G dans R0, bien sûr. D'accord. Donc vous voyez, dans le cas où votre solide n'a qu'un mouvement de translation, bah, votre théorème de Koenig qu'on applique, qu'on vient de montrer ensemble, bah, il se réduit au fait que l'énergie cinétique, c'est 1/2 de la masse totale fois la vitesse au carré, mais la vitesse du centre de masse de votre solide. Donc voilà l'énergie cinétique du solide, d'un solide. Finalement, ça se ramène, c'est comme si vous aviez un point matériel. En fait, toute la masse est concentrée en G. En fait, c'est la relation, ça, c'est la relation qu'on avait la dernière des points matériels. Avec toute la masse, on a un point qui est en G. C'est simple. Et là, dans un cas extrême, on a que l'autre cas extrême, c'est cette fois-ci ce que j'ai mis sur jaune. C'est le cas extrême, c'est qu'en fait, j'ai que de la rotation. Alors, ici, bah, j'ai ce repère-là et le solide, il ne fait que tourner. En fait. Il n'y a pas de translation. Oui, il y a une question. Tout du coup, oui, tout à fait. Vous avez raison. C'est Théo. Oui, exactement. Vous avez tout compris. En fait, ce qu'il disait Théo, c'est qu'en fait, ce qu'on démontre ici, si vous regardez bien ce que j'ai fait là, pour démontrer ces histoires-là, chaque fois, j'utilise cette relation de la compression des vitesses et je développe. Vous voyez, et je fais attention à ce qui est nul, ce qui n'est pas nul, et je trouve ça. Donc, en fait, il a raison, Théo, c'est tout découle de ça. D'accord. Toutes les démonstrations que je viens de vous faire, bah, finalement, elles découlent, si je regarde plus loin, quand on a fait le théorème du Koenig relatif au moment cinétique, j'ai utilisé la même relation, je ne sais pas où il est d'ailleurs, mais bon, pas. Effectivement, vous avez raison. Tout découle de ça. C'est bien vu. Tout découle de ça. D'accord. Vous avez raison. C'est pas si compliqué que ça, finalement. Bon, donc en fait, je reviens. Théorème cinétique, théorème de Koenig relatif à l'énergie cinétique. Dans le cas où il y a contre-translation, là encore pareil, hein, je ne vous demande pas de me raconter tout ce qu'on a dit là. Vous le posez directement. Tac. Et vous faites votre exercice, si vous calculez votre énergie cinétique, parce qu'en fait, ce qu'on veut souvent, c'est calculer l'énergie, potentielle, cinétique, mécanique, pour savoir comment va évoluer notre solide au mouvement. C'est ça qui nous intéresse. Alors maintenant, les cas extrêmes, c'est ce qu'on a déjà vu. Rappelez-vous, on a déjà fait ça. Et c'est simple, bah, le théorème général
cas général, c'est celui qui est là, ce qu'on a vu ensemble. Alors maintenant, je n'ai que de la rotation. Je n'ai pas de translation. Okay. Donc, bon, bah, simple. Si je n'ai que la rotation, je n'ai pas de translation, bah, la vitesse de G égale à 0. Donc, ce terme-là est nul. Donc, il me reste celui-là. OK. Bah, celui-là, bah, son expression il est là. Bah, on va le calculer. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Okay. Donc, j'ai l'intégrale sur tout le solide, 1/2 de M fois la vitesse de M dans la fonction de la barre centrique. Alors, la vitesse de M dans la fonction de la barre centrique, bah, on a dit que sa norme, c'est vitesse angulaire fois R. D'où ça vient? Bah, d'où ça vient? On l'a déjà fait. Je vous remontre où est-ce qu'on l'a fait. Je vais trouver. Où est-ce qu'on a fait ça? Ah, là, c'est là. Vous voyez? Parce que c'est le même schéma que j'utilise. La vitesse du point A, lorsque j'ai une rotation autour d'un axe delta, la vitesse au point A, c'est égal à la vitesse au point O. Bah, là, c'est nul. Parce que, donc, on a vu que c'est oméga fois oméga fois u vectoriel OA, u vectoriel OA, on a montré, j'ai mis un angle alpha ici, c'est ça, c'est tout simplement la norme de ce vecteur-là, c'est fait quelque part. Voilà, c'est ça en fait, u vectoriel OA, on a dit c'est R, c'est une distance R, parce que c'est la norme de u égale à 1, la norme de OA égale à OA, sinus l'angle entre les deux, OA sinus alpha, ça fait R, donc ça on l'a déjà vu, donc là, la vitesse du point A, sa norme, c'est oméga fois R. C'est oméga fois R. Oméga, et ça, c'est R. Petit r, c'est la distance à l'axe. Donc, la norme de ça, c'est petit r. V de A, un point du solide, égale à oméga. La norme de ce vecteur-là, bah, c'est la norme de U fois OA fois sinus alpha. Sinus alpha fois OA, c'est R. Ça, on l'a déjà vu. Je le refais de nouveau ici. Donc, dans le cas où j'ai une rotation pure, bah, la norme de la vitesse d'un point du solide, c'est égal à la vitesse angulaire fois la distance par rapport à l'axe, petit r. Je reviens. Voilà, en fait, je le refais ici, je ne l'ai pas vu. Encore, V de M dans RB, c'est égal à V par rapport au point O, plus je babarde, la norme de V de M, je ne l'ai pas vu, il est fait là. Donc, alors, oméga fois OM, cette fois-ci, je l'ai appelé M pour les deux A, sinus alpha, OM sinus alpha, c'est petit r, donc effectivement, M. Je l'ai fait ici, je n'ai pas vu que je l'avais refait ici. Donc cette vitesse-là, sa norme, c'est égal à vitesse angulaire fois R. Alors attention, R, c'est la distance. Parfois, dans le cours, je l'ai appelé R0 pour ne pas confondre avec les coordonnées sphériques ou des choses comme ça. Donc petit r ici, c'est la distance d'un point vers l'axe autour duquel se fait la rotation. On est d'accord avec ça. Donc, bah, il n'y a rien de compliqué. Donc je remplace la vitesse au carré. C'est la carré de la norme. Donc, le carré de la norme, V2 au carré, c'est égal à oméga au carré R carré, je le remets ici. Oméga, bah, de toute façon, c'est le même pour tout le solide, à l'instant T, donc je le sors de l'intégrale et j'intègre sur le solide les choses qu'on peut intégrer. Ça veut dire qu'il me reste D de M fois R carré. Et comme par hasard, l'intégrale sur tout le solide de DM fois R carré, bah, c'est ce qu'on a appelé, c'est la définition même du moment d'inertie. Donc, la définition du moment d'inertie, c'est l'intégrale sur tout ce. Donc, vous voyez. Donc, lorsqu'on a une transformation pure, l'énergie cinétique dans le référentiel barocentrique, c'est nul plus ou moins 1/2 de la vitesse angulaire au carré fois le moment d'inertie. D'accord. Voilà, c'est tout. Donc, on a tout maintenant. On a presque tout pour refaire tous les exercices qui vont se présenter par la suite. Presque. On a encore tout à l'heure, j'ai une question sur le tenseur dynamique, on va le voir, mais avec ça déjà, on a déjà bien avancé. Alors maintenant, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait exprès un cas extrême et j'ai fait exprès un deuxième cas extrême. C'est en fait les deux cas qu'on peut, soit une translation pure, soit une rotation pure. Et maintenant, c'est ni l'un ni l'autre. Bah, c'est ni l'un ni l'autre, bah, c'est les deux à la fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'ai la rotation en axe delta et la translation, bah, j'ai les deux expressions de la translation et de la rotation. Donc, de manière générale, l'énergie cinétique dans un ampère R0 est égale à l'énergie cinétique du centre d'inertie affecté de la masse totale, plus l'énergie cinétique dans la fonction de la barre excentrique. Et on vient de montrer ensemble que c'est tout simplement 1/2 de oméga carré fois le moment d'inertie. Vous voyez l'intérêt du moment d'inertie de son calcul. Et donc, dorénavant, là encore pareil, ce que vous allez faire, l'énergie cinétique dans un repère fixe R0,
bah, vous allez poser directement cette relation-là. Et à vous d'examiner s'il y a corrélation pure, ça c'est nul, et donc vous intéressez qu'à ça. Bah, s'il y a les deux, bah, il y a les deux. Et nous, on va voir dans l'exemple que je vous ai préparé, on va voir qu'il y aura les deux forcément. Donc, dans la plupart des cas, il y a les deux. Et le TD numéro 6, vous allez trouver que quand il n'y a que de la rotation, il n'y a que ça. Bon, je vous laisse. Donc voilà, pour le théorème d'énergie cinétique, je vous dis, on a déjà bien avancé, vous avez déjà presque tous les éléments pour faire les exercices qui vont se présenter par la suite. Donc en fait, pour vous, pour résumer, bah, ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'on a dit ici, hein, qu'on va appliquer. Ce qu'il faut retenir, c'est la dérivée, le théorème des moments cinétiques, c'est ce que je vous ai montré là, c'est que la dérivée du moment cinétique par rapport à un axe, c'est la somme des moments des forces par rapport au même axe en question. Donc ça, on va l'utiliser dans l'exemple. Ce qu'il faut retenir, mais ça, on va le montrer, c'est que dans notre tension cinétique, la quantité de mouvement total, c'est la masse fois la vitesse, et la dérivée de cette quantité de mouvement, c'est la masse fois l'accélération, c'est la somme des forces. Ça, je vous le démontrerai plus tard, mais déjà ici, on peut le voir. Ce qu'il faut retenir, c'est l'énergie cinétique de manière générale, c'est ce que je viens de vous montrer. Alors ça, c'est bien joli, et vous n'avez pas besoin de l'écrire comme ça. Le plus simple, c'est d'écrire comme ça. C'est ce qu'on vient de montrer ensemble. Voilà les choses qu'il faut retenir. Alors, les démonstrations en route, comme disait qui tout à l'heure, quelqu'un qui a bien noté la chose, c'est Théo. Bah oui, bah, tout découle de la loi de compression des vitesses. Et il a raison. Vous voyez que toutes les petites démonstrations que je viens de faire, bah, ça découle de la petite relation de compression des vitesses. Et tout le reste découle naturellement, je dirais, en respectant le calcul vectoriel, ni plus ni moins. Donc, ce n'est pas des théories complexes qu'on vient de faire ici. C'est juste du calcul qu'il ne faut pas se tromper, il faut faire attention. Vous voyez, c'est des choses. Qu'est-ce qu'on prenne sans trop de difficultés, sans même admettre des choses. On n'a rien admis. Tout a été démontré par des relations simples. Bien. Alors, voilà. C'est qui me pose la question, tension dynamique, qui avait envie de savoir ce que c'est. Donc, on y arrive aux tensions dynamiques. Donc, en fait, maintenant, on est où dans le cours on est là, vous voyez. On est dans la dernière partie de ce chapitre-là. Et on aura un exemple à traiter qui va regrouper toutes les notions que nous avons vues ici, un cas pratique pour utiliser les théorèmes, les relations. Donc, maintenant, on va définir la tension dynamique. Et il nous resterait un dernier chapitre pour établir la relation entre les torseurs. D'accord. Les relations qui existent entre les différents torseurs. OK, allons-y. Alors, l'accélération d'un point M, ben, c'est la dérivée de la vitesse. Ça, je ne vous apprends rien, ça vous le savez. Et cette fois-ci, ce qu'on va appeler l'accélération fois une masse, vous voyez, cette fois-ci, quand j'avais un point matériel, c'est la masse du point matériel fois l'accélération, et j'appelais ça la... Voilà. Cette fois-ci, on va faire à peu près la même chose. On a l'accélération du point M, on a la masse du volume élémentaire autour du point M, cette masse est D de M. Cette quantité accélération qui multiplie la masse D de M, une masse très très petite, c'est la masse du volume infinitésimal D de taux, c'est rho de taux, en fait, D de M. On appelle ça la quantité d'accélération élémentaire. C'est lié au fait qu'on a un volume élémentaire et donc une masse élémentaire. Donc, c'est la masse du volume élémentaire. Et la quantité d'accélération élémentaire, c'est ni plus ni moins que cette quantité de masse D de M, qui est la masse du volume élémentaire, fois l'accélération du point en question, le point M. Voilà. Et on appelle aussi la quantité produit je dirais le moment de cette quantité-là, en fait, le moment par rapport à A, c'est AM vectoriel, la quantité. Et on appelle ça le moment dynamique au point A, parce qu'on calcule par rapport au moment au point A. Alors, on a déjà défini ce que c'est comme moment de manière générale, donc c'est tout toujours le par rapport au point A, c'est A ou O, j'en sais, ou B, c'est BM vectoriel, la quantité qui nous intéresse. Et donc, cette quantité-là, c'est l'accélération élémentaire, et le moment dynamique, bah, c'est tout simplement le moment de cette quantité-là. Bien sûr, au point A. Et maintenant qu'on a défini les choses, bah, la tension dynamique, on a D comme dynamique, au point A, bah, c'est la somme de toutes les quantités d'accélération élémentaire
fait, c'est la somme de... parce que je n'ai pas un point d'intérêt, j'ai un solide, j'intègre dans, sur tout le solide, sur le volume. Des quantités ADM, en fait, c'est... Voilà. Et le moment total, la même chose, j'intègre sur tous les moments de toutes les quantités. Donc, en fait, c'est l'intégration solide de cette quantité. Tout simplement. Et donc, vous voyez, il n'y a pas de... Donc, il y a, voilà, la définition est là. En fait, quand on avait un point matériel, on parlait de masse fois accélération, mais maintenant, on a un solide. Donc, c'est une intégration tout solide de la masse du volume élémentaire qui multiplie l'accélération. Et le moment de cette quantité-là, ben, il faut intégrer sur le solide pareil. Donc, c'est le moment de la quantité, mais on intègre sur le solide par rapport à A. Alors, le moment dynamique, ce moment-là, ben, c'est pas, ça, je ne le fais pas parce qu'on l'a fait plusieurs fois. La relation de Schall, on l'a fait plusieurs fois. Je peux très bien faire la relation de Schall et je montre que j'ai aussi la relation Babar pour ça. Donc, c'est rien de difficile. On l'a fait 4-5 fois. On peut le faire ici, mais je ne sais pas si je l'ai fait d'ailleurs dans la suite. Non, je ne l'ai pas fait, je crois. Non, je ne l'ai pas fait. Ah oui, excusez-moi, oui. Oui, c'est qui m'a posé la question tout à l'heure pour le moment dynamique? Oui, il y a un théorème du moment dynamique. J'avais oublié ça. Okay. J'ai répondu trop vite à l'étudiant qui m'a dit ce qu'il y a un théorème de conique relativement. J'ai dit non, il n'y a que deux, mais non, c'est ici, il y a un troisième. Alors que je n'avais pas fait, je crois, pour le point matériel que je fais ici. Non, vous avez raison. J'ai pas, je ne pensais pas le faire, mais c'est fait. Donc, ok, il y a un troisième théorème. Exactement. Mais bon, donc qu'est-ce que je disais? Donc, le tensor dynamique est... il est là. Donc, là, cette relation-là, c'est la relation de Schall que je ne vais pas faire parce qu'on l'a fait plusieurs fois. Je fais ce que je viens de vous dire il y a 5 ou 10 minutes. C'est la chose suivante, c'est qu'en fait, le tenseur dynamique, c'est la somme des accélérations fois la masse du volume élémentaire. Là encore, pareil, je fais des choses simples. Qu'est-ce que l'accélération, c'est-à-dire la vitesse. Je dérive, dans ce cas-là, je dérive l'ensemble, puisque la masse, elle, c'est constante, il n'y a pas en fonction du temps. Donc, je dérive d de m fois v, et au final, d de m fois v, bah, c'est l'intégrale de d de m fois v, c'est ce qu'on a appelé, ça, c'est la quantité de mouvement élémentaire, et l'intégrale de ça, c'est la quantité de mouvement total, c'est p, dont je parlais tout à l'heure. Et cette intégrale-là, on l'a montré ensemble, c'est tout simplement la masse fois la vitesse du centre de masse, Vg, P égale à 1 fois Vg, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, vous voyez la relation déjà entre la résultante dynamique et la résultante cinétique, c'est que la résultante dynamique, c'est égal à la dérivée, ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez la petite démonstration qui est là, c'est égal à la dérivée de la résultante cinétique. Donc, D, c'est égal à D de P sur D de T. Alors, si je dérive ça, bah, c'est simplement la masse, enfin, l'accélération du centre de masse ou du centre d'énergie G. Donc, dans tout ce qu'on va faire, nous, bah, pour que je puisse, dire que cette dérivée-là, je passe de cette ligne-là, de cette relation-là à celle-là, il faut que la masse ne varie pas en fonction du temps. Sinon, je ne peux pas mettre la dérivée de l'ensemble égale à ça. D'accord? Donc, s'il y a conservation de la masse, la résultante D est donc égale au produit de la masse par l'accélération de centre d'énergie. C'est ce qui est écrit ici, c'est ce qui est écrit. Et donc ça, cette relation-là, on va l'utiliser dans le dernier exemple que je vous ai préparé. Bien, alors c'est là que j'ai répondu vite tout à l'heure. Je n'avais pas vu que j'avais ce slide-là. Donc effectivement, il y a un théorème de Koenig, il a raison l'étudiant, il avait lu le cours que j'ai envoyé. Donc on va faire la même chose pour le moment dynamique. Et on va montrer aussi que le moment dynamique D de G dans R0 est égal au moment de G dans RB. Et la démonstration, c'est la même, vous allez pouvoir la parcourir. C'est la même qu'on a déjà utilisée. Il est basé uniquement sur la définition du centre de masse ou du centre d'énergie qui est là pour montrer ceci. Et on a la relation de Koenig pour rapport, il a raison, l'étudiant, moment dynamique. Et donc, là, ça, c'est la relation Babar. Ce qui change, c'est tout simplement ce que je viens de vous dire ici. C'est que le moment dynamique de G, peu importe si je le calcule dans R0 ou RB, c'est la même chose. Alors, effectivement, en général, là encore, pareil, on cherche toujours à faire le plus simple les calculs. On a tout intérêt, quand c'est possible, de calculer dans la relation, dans le référentiel barycentré. Voilà, donc je pense qu'en termes d'éléments pour faire les problèmes physiques, on a presque tout.
On y reste encore un chapitre pour relier le tenseur entre eux, mais on a déjà pas mal de choses. Alors, arrivé ici, j'avais le choix, soit continuer le cours et faire des exemples à la fin, soit faire des exemples à ce niveau-là pour bien fixer le cours et continuer le cours plus tard. C'est-à-dire faire des exemples entre chaque chapitre plutôt que de faire des exemples tout à la fin. Alors, ce qui n'existait pas, ce que je n'ai pas fait l'année dernière, c'est beaucoup bien que vous avez pu voir. Je pense que vous avez téléchargé les anciens cours et vous avez ces cours-là. Et donc là, il y a déjà des choses. Il y a l'exemple de la patineuse que je n'avais pas traité l'année dernière. Il y a l'exemple qu'on va faire maintenant, qui n'était pas dans le cours de l'année dernière. Bien. Alors, je vais y aller. J'ai cherché un autre cours. Qu'on a déjà fait ensemble. 6, 5. 5, il y est déjà. Bien, alors l'application que vous avez trouvée presque dès qu'on aborde ces problèmes de mécanique de solide, il y a plusieurs exercices, mais l'exercice typique, c'est ce que je vous ai déjà dit dans le cours de l'année dernière, c'est la Galilée par exemple. Galilée, il laisse une bille rouler sur un plan incliné, et l'année dernière, ce que nous avons fait ensemble, c'est nous avons apporté la vue comme point matériel. Ça, je vous l'ai dit. Et par contre, si ce n'est pas un point matériel, alors c'est un solide, et c'est un solide qui est en volume. Et dans ce cas-là, tout ce qu'on a fait sur le point matériel, il y a quelque chose à rectifier à côté. Alors, ce qu'on va faire ensemble. Alors ici, on a le... Alors ici, j'ai mis le titre, roulement sans glissement d'un cylindre ou d'une bille sur un point incliné. Alors pourquoi ou d'une bille? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que peu importe le cylindre ou la bille, c'est à la fin, une fois qu'on a la relation finale, qu'on va l'appliquer dans un cas ou dans l'autre. Mais tout le raisonnement qu'on va faire au début, il est valable pour les deux, pour le cylindre et pour la bille. Bien. Alors, qu'est-ce que je vous ai fait ici? Je vous ai fait une petite figure. Donc voilà, ça au pointillé, c'est à t égale 0, je lâche la bille ou le cylindre qui va rouler sur un plan incliné. Alors, je suppose ici, comme c'est indiqué dans mon exemple, que je suis dans le cas d'un roulement sans glissement. Il roule la bille sur A. Là, j'ai un angle alpha quelconque. Alors, on va voir la condition pour alpha pour qu'il y ait ce. Parce que roulement sur glissement, vous pouvez rentrer chez vous, vous prenez un cylindre sur un plan incliné. Et si vous changez alpha, vous allez voir du roulement. Mais si vous l'augmentez trop, vous allez voir roulement et glissement. Ou alors, vous allez voir que du glissement en fonction de là. Et donc, quand est-ce qu'on va voir le roulement, quand est-ce qu'on va voir le glissement, ça, on verra plus tard. Mais pour le moment, je suppose que je suis dans la configuration où je n'ai que du roulement sans glissement. D'accord. Donc, bref, je suis dans un cas de roulement sans glissement. Donc, j'ai la bille ou le cylindre, peu importe, que je lâche et il va rouler ici, il va tourner. Alors là, j'ai mis une flèche comme ça, le vecteur rotation oméga égale. Alors, si je tourne comme ça, alors je fais un repère. I, J, K, voilà, K, c'est vers vous, là, l'écran de votre ordinateur, donc I, J, K, triède direct. Donc si je choisis ce triède direct I, J, K, si je tourne comme ça, donc le vecteur rotation, il est dans le sens opposé de K. Donc en fait, c'est égal à moins oméga, oméga, donc c'est la vitesse angulaire, c'est une constante positive, fois K. Donc vous voyez, je mets un moins ici, parce que si vous tournez comme ça, le tire-bouchon, ça veut dire que vous êtes dans le sens opposé de K, donc il y a un moins ici. La vitesse angulaire, c'est θ point. Alors, θ point, qu'est-ce que c'est? En fait, si je regarde un point M ici, quand il va tourner le point M, il va décrire un θ. Donc, θ point, c'est la dérivée de ce θ-là. Voilà, je suis le point M. Et donc, c'est θ qu'il va faire avec une position d'équilibre. Au début, il est là, et après, il se retrouve ici, le point M. Voilà, le point M est là, il se retrouve ici. Il aura fait un θ. Et la vitesse angulaire, c'est la dérivée de ce θ-là. D'accord. Alors voilà, on arrive à nos exemples qu'on a fait jusqu'à présent. Alors R0. Alors R0, j'ai choisi moi-même dans des exercices, dans des livres. Si vous avez travaillé sur des livres, vous avez trouvé qu'ils n'ont pas fait le même choix que ce que je fais ici. Mais ce n'est pas grave, au final, c'est. Alors pour simplifier, moi j'ai pris un repère R0 lié au sol, lié au plan incliné, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Référentiel absolu. Alors référentiel absolu, référentiel galiléen, vous voyez, ce que je vous ai raconté l'année dernière, ça reste toujours valable.
La Terre, c'est pas parce que c'est lié au sol, c'est-à-dire lié à la Terre. Et la Terre, dans l'absolu, ce n'est pas un référentiel Galilée. Mais je fais l'approximation que je suis dans un, que pendant mon expérience, mon repère terrestre est un repère galiléen. C'est une approximation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si je considère que ce n'est pas le cas, ça ne va absolument pas jouer sur. Si je fais le calcul compliqué, je vais finir au final par montrer que l'effet, il est à peine mesurable, il n'est même pas mesurable. Donc, l'approximation de dire que mon repère R0 est galiléen, il est justifié dans le cas du moment que j'utilise. Vous voyez, donc, en fait, tout ce qu'on a dit au absolu reste valable. Donc, le fait de considérer que le repère R0, qui est lié au sol, et je mets son centre ici au point O, et lui, R0, il va rester là, il ne va pas bouger. D'accord ? Je définis donc, R0, il est lié au plan incliné. Alors, dans les exercices, vous pouvez trouver que le point O, on le met ici, lié au plan incliné. Moi, j'ai choisi de le mettre là, à une distance R, voilà, pour simplifier le problème. Donc, R0, il est lié au plan incliné, il est fixé au plan incliné, avec un centre ici, il ne bouge pas. Et c'est approximation, référentiel galilien. Bien. Donc, oméga, il tourne comme ça, parce qu'il descend, normal. Et donc, d'abord, on définit le vecteur de rotation oméga, donc avec une vitesse angulaire qui est écrite comme ça, et une fois qu'on écrit ça, on va le garder. Référentiel barycentrique. Alors, on va appliquer tout ce qu'on a raconté. Ça veut dire en fait que c'est le centre G. Alors, le centre G, il est au centre ici de la bille. Si c'est un cylindre, c'est le centre de masse du cylindre. OK, peu importe. Il est là, au centre. C'est le centre de masse du cylindre et le centre du cylindre. C'est de la bille, c'est le centre de la boule, il est là. Peu importe, c'est la même chose. Donc, le barycentrique, son centre du référentiel, c'est le centre de masse. Et les trois axes qui sont toujours parallèles à R0. Y', il est parallèle à Y. J'ai un E', je ne l'ai pas fait pour ne pas alourdir le petit schéma. E', il est la même chose que I. G', la même chose. Et K', c'est la même chose. Donc, les vecteurs, la seule chose qui change, c'est que le G va suivre le mouvement et c'est le centre de masse, donc il n'est pas fixe, il va bouger avec le cylindre. Bien, alors, une fois qu'on a un problème comme ça, qu'est-ce qu'on vient de faire? Ben, on a discuté des référentiels fixes, barycentriques. On a défini le vecteur rotation du cylindre de la bille. Et alors maintenant, il va falloir qu'on s'intéresse un peu aux forces qui agissent, qui font que pourquoi ça va rouler? Ben parce qu'il y a des forces qui vont agir, qui vont faire qu'il y ait un roulement. Bien. Alors, les forces, ben, il n'y en a pas 40 000, il y en a 3. Le poids, bien sûr, que j'ai représenté ici, là, avec cette couleur-là. AP égale à M fois G. Alors là, encore pareil, je suppose que G, vu les dimensions, G, c'est constant. D'accord? On ne va pas commencer à. Sur quelques centimètres à faire à G, ça n'a aucun sens. Donc le poids M égale G. Alors après la réaction, il y en a deux. Il y a une réaction normale et une réaction tangentielle. Alors la réaction normale, c'est ce que j'ai mis en vert, N comme normal. C'est normal au point incliné, bien sûr. Et effectivement, il y a une force F qui est tangentielle parce qu'effectivement, il y a un frottement. Et s'il n'y avait pas de frottement, on n'aurait pas de roulement, il y aurait un glissement. Donc il y a un frottement. Donc, c'est un petit fond. Donc, la réaction du plan incliné, ben, c'est Rn plus F, donc, que je décompose en réaction normale et en réaction tangentielle. Donc, à T égale 0, je lâche avec une vitesse nulle ici, donc G, il est là, et il va rouler. Et donc, à un T différent de 0, ben, je vais avoir ces trois forces-là. Donc, la force frottement, c'est la réaction tangentielle que j'appelle petit f, et la réaction normale. Alors, allons-y. Donc, théorème qu'on a vu jusqu'à présent, Koenig nous dit, peu importe, si vous calculez le moment cinétique au point G, vous pouvez calculer dans R0, vous pouvez calculer dans RB, c'est pareil, c'est ce qu'il nous dit Koenig. Donc, à faire, je vais calculer dans RB ce que je vais vous raconter. Donc, le moment cinétique, je vais calculer dans RB, donc de G, calculer dans RB, et en plus, je vais calculer par rapport à un axe qui passe par G, et dont le vecteur unitaire U, je l'ai choisi égal à moins K. Pourquoi? Pour ne pas avoir des problèmes de calcul avec. Parce que le oméga, c'est moins K, moins oméga fois K. J'ai choisi delta moins K, comme ça, quand j'aurai des produits à faire, le moins par moins, ça fait plus, je suis tranquille. Donc, en fait, c'est un choix, ça.
Maintenant, mon choix de delta, vous pouvez le faire delta qui passe par G, forcément, parce que le cylindre, la bille va tourner autour de l'axe qui passe par G. Et en plus, c'est parallèle à K. Le moins K, c'est un choix. C'est-à-dire que si vous voulez faire l'inverse, vous pouvez le faire toujours. Mais le résultat final qu'on va trouver, c'est le même. Donc voilà le problème posé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait, comme vous avez dit, le bilan des forces. Et j'ai posé l'axe autour duquel tourne le cylindre, la bille, dans son roulement. J'appelle delta, qui passe par le point G, et le vecteur unitaire, je l'appelle. Tout est posé, je crois que maintenant on peut essayer de résoudre le problème. Bien, alors maintenant je vais faire ce que je vous demande toujours de faire, que maintenant vous savez faire, première année, je vous dis, il faut absolument savoir faire, vous l'avez fait en première, deuxième année, et que vous avez toujours fait. Vous voyez, on fait toujours, on n'a pas trop chaud. Et une fois que j'ai créé trois forces, ben, il va falloir que je les décompose sur les axes. Si j'ai choisi un repère, c'est pour l'utiliser. Donc, je décompose sur les axes. Le poids, M fois G, donc si je compose sur XY, donc sur EJ, dans le repère R0, donc c'est MG sur une alpha fois I, moins MG sur une alpha fois J. Alors, I ou J ou E' ou J', c'est la même chose, parce qu'on a dit, ils sont parallèles. RN, bah RN, c'est le vert, bah c'est la norme fois J, il est dans le même sens que J. RT, la composante tangentielle du la réaction du plan incliné, parce qu'il y a une composante normale et une composante tangentielle, que j'ai appelé petit f. Alors ça, je veux dire, bah, c'est tout simplement, regardez, elle est, tous nos sens opposés de i, donc je veux dire, c'est moins f, alors ça, f, petit f, c'est une quantité positive, je mets un moins ici, fois la norme de f, fois i. Pourquoi? Parce qu'il est dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que pour un solide, la première composante des tensions dynamiques s'appelle D, et c'est nu plus nu moins que c'est la masse totale fois l'accélération de G. Bien. Donc, la tension dynamique, la masse fois l'accélération totale de G, c'est égal à la somme des forces appliquées. Alors, quelles sont les forces appliquées? Ben, c'est les trois qui sont ici. Donc, la P plus Rn plus F. Et après, une fois qu'on a écrit cette relation, la relation fondamentale de la dynamique, principe fondamental de la dynamique, PFD, ben, il va falloir, comme on l'a fait toujours, il va falloir projeter. D'accord. Ça, on l'a déjà fait pour le point matériel, on le fait maintenant pour le solide. Alors, au passage, vous ne vous posez pas de questions parce qu'on n'est pas en présentiel, vous êtes en distanciel, c'est difficile. Donc, sur F qui est là, cette force qui est là, il est là, mais à ce stade de l'exercice, je suis incapable de vous dire sa valeur. Je ne sais pas. Parce qu'en fait, j'ai encore moyen de savoir à l'avance. Donc, c'est la résolution du problème en entier qui va me donner l'expression de F. Mais pour l'instant, ben, je suis en roulement, je sais qu'il est là. Je sais aussi que le travail de cette force, on l'a montré égal à zéro. C'est pour ça que l'énergie cinétique plus potentiel se conserve, sinon elle ne se conserverait pas. Je sais que le travail de cette force est nul. Et dans ce cas-là, l'énergie mécanique de mon système se conserve entre ce point-là et ce point-là. L'énergie potentielle qui est là va se convertir en énergie cinétique. Alors, sauf, cette fois-ci, l'énergie cinétique de mon système, de mon solide, ce n'est pas uniquement l'énergie du centre de masse, mais c'est l'énergie de masse plus l'énergie de rotation qu'on a négligée jusqu'à présent dans tout ce qu'on a fait parce qu'on s'est posé qu'on avait un point matériel. Donc, je commence d'abord par le principe de la fondamentale de la dynamique, ce que je vous ai écrit ici. Donc, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce que je fais une fois qu'on a écrit ça? Vous faites ce que vous savez faire. Projection sur l'axe OX et OY. Ben, j'ai les forces ici sur les deux axes XY, OX, OY. Déjà, j'obtiens RN et je le mets de côté. Donc, en fait, la réaction normale, dès que vous avez fixé alpha, c'est MG cos alpha. Et ici, j'ai quoi? Qu'est-ce que j'ai? J'ai la masse sur l'axe des X, la composante d'accélération, c'est X2.G. Oui, il y a une question. Ah! Pourquoi c'est qui? C'est Théo qui pose la question. Bah, il n'y a pas de mouvement sur Y, je reste toujours à Y égale 0. Donc, sinon, ça rentre dans le plan incliné. Donc, je reste toujours, vous voyez, et donc, sur l'axe Y, j'ai toujours... c'est bon là, Théo? Okay, donc, en fait, sur l'axe Y, le mouvement, il se fait uniquement... J'ai fait exprès de prendre X comme ça. Le mouvement, il se fait uniquement sur X, il n'est pas sur Y.
Donc, j'ai le x.g, j'ai m fois y.g, donc égal à 0, parce que je n'ai pas de mouvement sur y, c'est pas d'accélération sur y égale à 0. Et donc, ça nous donne ça qu'on va mettre de côté, qu'on va ranger de côté. Et ici, je suis embêté. Pourquoi je suis embêté? Parce que ce que je cherche, moi, c'est x de point g, mais je ne vais pas aller plus loin pour le moment. Si je ne fais que ça, je suis coincé, parce que je vous ai dit que le fameux f ici, là, je n'en ai aucune idée, en fait. Alors, f qui est positif, là, ce qui est ici, la force frottement, je ne sais pas du tout là, sa valeur dans un roulement sans glissement. Donc, si je m'arrête là, bah, je suis coincé, je ne peux pas aller plus loin. Donc, il va falloir que je fasse appel à autre chose que le PFD. Donc, avec le PFD, ça ne suffit pas. Je ne peux rien faire. Alors, qu'est-ce que je sais d'autre? Bah, je sais la relation qu'on a établie, Brûlement sans glissement. Alors, qu'est-ce que je fais là? Donc, dans le PFD, j'ai deux relations intéressantes. J'ai celle-là et j'ai celle-là. Donc, dans le slide suivant, je les mets ici. D'accord? Rn, c'est très bien. Je la connais maintenant. Mais par contre, ici, je suis embêté pour des raisons que je viens de vous dire. Inconnu, c'est ce que je cherche, en fait. Mais j'ai une autre inconnue ici. Donc, je ne peux pas avancer. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît ce que je vous ai raconté, que le point ici, le point i, sa vitesse est nulle. D'accord? OK. Pourquoi? Parce que ce que je vous ai expliqué, le roulement sans glissement, ce n'est pas nul, c'est-à-dire qu'il y a glissement et ça va pas. Donc, je suppose roulement sans glissement, donc la vitesse du point i est nulle. Alors, j'utilise ma barre, V de B égale de manière générale, et je l'applique au point i. Je refais ce qu'on a déjà fait. Donc, V de i égale à V de g, plus ma barre, ig vectoriel oméga. Donc, vous voyez, ma barre, elle sert ici. Allons-y maintenant pour notre ma barre et vitesse de i, je sais que c'est égal à 0. Vecteur nul, pardon. Là, j'ai oublié une flèche. Je la rajouterai plus tard. Donc, c'est égal à vecteur nul. Et maintenant, j'utilise ma barre et j'utilise le fait, ce que je viens de vous dire. Bon, bah, alors faisons le calcul dans notre problème qui nous concerne. Donc, ça me donne que ça égale à vecteur nul, donc V de G. Alors, IG, IG, si je regarde bien. Alors, R, je ne l'ai pas noté, j'ai oublié. C'est le rayon du cylindre ou de la bille. Grand R ici, notez-le quelque part. Donc, IG, le vecteur IG, c'est ni plus ni moins R fois J. D'accord? Donc, IG, c'est un. Oméga, elle est là. Dès le départ, je l'ai défini, c'est égal à moins oméga Q. Et donc, je fais le produit vectoriel. Qu'on sait faire, et donc je trouve que c'est nul plus ou moins comme moins R oméga fois I. G vectoriel K, c'est I, et G à moins, donc le moins, il est là. Donc on fait tout ça pour montrer que la vitesse du G, le centre de masse, le centre d'énergie, c'est égal à vecteur nul, ça veut dire que VG est égal à R oméga fois I, ça on l'a déjà montré. La vitesse du point G est égale à omega. Donc la vitesse du point G, bah, la vitesse, il y a uniquement la composante, ce qu'on vient de voir selon X, parce qu'il ne se déplace pas selon Y. Donc j'ai X.G égale R fois oméga. Voilà une relation intéressante qui vient du fait qu'on a un relation sur glissement. Là, je suis content parce que j'ai déjà une relation qui va m'apporter pour essayer de résoudre ce. Parce que le but final, c'est de trouver le mouvement du cylindre. C'est ça qu'on cherche, en fait. Et trouver sur l'énergie et tout ça. Donc, comment il va se déplacer, quelle est la condition, c'est ça qu'on cherche. Donc, allons-y. Donc, le roulement sur glissement, ça c'est facile. Vous avez suivi avec moi. On a cette relation-là qu'on va mettre, je l'ai mis en gras, c'est-à-dire on va la ranger de côté aussi. Alors, qu'est-ce que je sais d'autre? Voilà, on y est maintenant. Donc, je range de côté toutes les choses qui vont me permettre de résoudre mon problème. Cette relation-là est là, mais j'avais ce problème de F. Okay. Je connais la relation, la condition de roulement sans glissement. Ça me donne une relation utile qui est là. Okay, je la mets de côté. Donc, jusqu'à présent, j'ai fait le PFD et le roulement sans glissement. J'ai deux relations qui m'intéressent. Bien sûr, il y a une troisième qui est là, mais celle-là, je l'oublie pour le moment. J'en aurai besoin par la suite. Alors, j'ai le terme non cinétique. Ah, tiens, c'est intéressant. Le terme non cinétique, c'est que ce qu'on a dit, c'est que le moment d'inertie, il faut la dérivée de la vitesse angulaire, c'est égal à l'ensemble des moments des forces par rapport à l'axe. OK, voilà, l'axe delta, il est là. Le vecteur unitaire, c'est moins K. La force P et la force Rn, bah, tout simplement, ils passent par l'axe en question. Donc, leur moment est nul.
PRN passe par l'axe delta, donc le moment par rapport à delta est nul. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste uniquement la force F. Alors calculons le moment de la force F. Alors, le moment de force F par rapport à delta, c'est le moment de la force par rapport à G, vecteur scalaire, vecteur unitaire. Je fais le calcul exact. Alors le moment de la force par rapport au point G, bah, c'est simple, c'est GI vectoriel, la force, moins F fois I. Vous avez tous les détails ici. Scalaire U, parce que c'est le moment par rapport à delta que je cherche. Donc, si je fais ce petit calcul vectoriel là, ça me donne, je le fais, je remplace U par moins K, je remplace GI. GI, c'est moins R fois I, parce qu'il est dans le sens opposé de I. D'accord ? Donc, voilà un produit vectoriel simple. En fait, c'est simple. Ben, je trouve que le moment par ce calcul-là, il me donne RF. Donc, le moment de la force, c'est RF. Le théorème du moment cinétique, c'est que la dérivée du moment cinétique, donc c'est le moment d'inertie fois la dérivée de la vitesse angulaire, I delta, est égal à ce qu'on vient de dire, égal à RF. Donc, I, la dérivée de oméga, égale à RF. Alors, oméga, c'est θ point, la dérivée de θ point, c'est θ second. D'accord ? C'est quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure accélération. Donc, qu'est-ce que j'ai en fait ? J'ai une troisième relation qui est utile, qui va me relier c'est ça en fait. Ce qui m'embêtait jusqu'à présent, c'est le petit f. Et là, je suis content parce que le petit f, là, il apparaît ici. Il est lié à quoi? Ben, il est lié au moment d'inertie et la vitesse angulaire. D'accord? Alors ici, ça y est, j'arrête. J'arrête pourquoi? Parce qu'en fait, dans mon problème, j'avais trois inconnus et j'ai trois équations. Quels sont les inconnus? L'inconnu, c'est x de g, que je ne connais pas, apparemment, il faut que je le détermine. L'inconnu, c'est la vitesse de rotation, c'est la vitesse angulaire oméga. L'inconnu, c'est f. Vous voyez, j'ai trois inconnus dans mon système. Et là, j'ai une première équation, une deuxième et une troisième. Donc, j'arrête là, c'est pas la peine que j'aille plus loin. Et donc, maintenant, une fois que j'ai fait ça, bah, il va falloir que je m'amuse avec ces trois relations-là. Et je trouve les inconnus, les trois, parce que j'ai trois relations, trois inconnus. Donc là, tout va bien. Je vais pouvoir résoudre mon problème. Bon, voilà. Ce que je vous raconte, une relation, deuxième relation, trois équations, trois inconnues, bah, c'est bon. Je vais pouvoir m'en sortir. Donc, je finis ce problème-là quand même, parce que j'ai le temps encore. Alors, ce n'est pas la peine de se déconnecter, je ne vais pas arrêter. Donc, parce que là, je vois qu'il y a deux étudiants, soit ils ont un problème de connexion, soit ils arrêtent, mais je continue. Donc, j'ai les trois équations. De ces deux dernières équations que je viens d'établir, celle-là et celle-là, je peux tirer. Donc, j'ai x point g, la vitesse de g. Donc, en fait, x point g égale à ça. C'est bizarre, j'ai la dérivée de vitesse angulaire qui est là, qui est liée au moment d'inertie. Et R, c'est le rayon de la bille ou du cylindre, et F, l'inconnu. Deux inconnus qui sont liés, donc je vais pouvoir entre celle-là et celle-là, ça je dérive deux fois, donc j'ai x de point g qui est égal à r, r c'est le rayon du cylindre de la bille, la dérivée de la vitesse angulaire, c'est ce que j'écris là, et donc je remplace la dérivée de la vitesse angulaire par rf sur la divisé par le moment d'inertie. Donc je remplace ça par rf, donc tiré de là, et donc j'obtiens x, la dérivée seconde de x, la coordonnée du centre de masse, xg, au final égale à r fois ça, et si je remplace la dérivée d'oméga par ce qui est ici, on trouve cette relation-là. Vous voyez, ces deux relations-là nous donnent que la dérivée seconde de g égale à r carré fois f fois e delta. D'accord. Bien, ces deux relations-là m'ont donné ça, c'est bien. Alors maintenant, je vais pouvoir utiliser cette relation-là avec la première. Bien, bah, ça va me donner quoi ça? Bah, je remplace la dérivée seconde, l'accélération ici, par ça. Allons-y. Donc on a mx point g, c'est la première relation. Ce que je vous ai dit, c'est que je remplace x de point g par la relation qu'on a trouvée. Donc je le fais ici. Tiens, c'est bizarre, avec ça, je vais pouvoir trouver l'inconnu, une inconnue qui m'embêtait, c'est f. Donc, j'ai mg sinus alpha. Alors, le m, je connais. Le g, je connais. L'alpha, c'est moi qui l'ai fixé. Le rayon du cylindre, ben, je le connais. Le moment d'inertie, je le connais parce que je sais le calculer. Donc, en fait, dans cette équation-là, finalement, la seule inconnue, c'est f. Et f, ben, finalement, ça y est, c'est fini. J'utilise cette relation-là et je trouve ma force de frottement qui est égale à mg sinus alpha. Donc, vous voyez,
voyez, je ne veux pas faire le petit calcul qui est là, je vous laisse le faire, il est vraiment facile. Mg sur les alpha, facteur de moment d'inertie divisé par mr carré plus le moment d'inertie. Donc voilà le F. Vous voyez que pour le moment, je suppose juste, le raisonnement que j'ai occulté, c'est juste quelque chose qui a un rayon R qui roule sur un plan, que ce soit une sphère ou une bille, c'est la même chose. Et donc F, ça y est, bon, bah, c'est bon, j'ai mon F qui est ici, tout va bien. Donc j'ai déterminé la force frontale. Et maintenant que j'ai le F, je vais faire l'opération inverse. Puisque j'ai le F, je le connais, ben maintenant je vais pouvoir le remplacer ici et trouver l'accélération. X.g. Allons-y. Donc X.g égale à G sinus alpha, en fait, je divise par M, moins F sur M. G sinus alpha moins F. Égale à G sinus alpha moins F, je l'ai ici. Donc, F sur M, ça fait G sinus alpha avec le terme qui est ici. D'accord. Et donc, j'ai trouvé l'accélération de ma bille, ou alors du cylindre, sur un plan incliné, c'est X de point G, parce que le mouvement se fait sur X. Et donc, il vaut G sinus alpha fois un terme. Donc, vous voyez que le fait de considérer que la bille a un volume, ou que le cylindre a un volume, ce n'est pas un point matériel, ben, il va falloir corriger ce qu'on a fait l'année dernière par ce terme qui est là. Et ce terme qui est là dépend de la géométrie des masses, dépend de la répartition des masses. Ce n'est pas la même chose si j'ai un cylindre ou si j'ai une bille ou une boule. Pourquoi ? Parce que le moment d'inertie n'est pas le même. Donc, en fait, le moment d'inertie va jouer dans ce mouvement de votre bille ou de votre cylindre. Alors, dans le cas d'une bille, c'est-à-dire en fait ce qu'il a fait Galilée, normalement, il aurait dû trouver une accélération. Si je remplace ce qu'on a déjà fait, le moment d'inertie de la bille ou de la boule, qui est là, qu'on a fait ensemble, je le remplace dans cette relation-là, je trouve que l'accélération, c'est 5 septièmes de G sinus alpha. Donc, en fait, vous voyez, c'est l'approximation du point matériel de données G sinus alpha, et là, il faut multiplier par 5 septièmes. Là, on est correct. Là, on n'a pas d'approximation. Donc, en fait, l'accélération, la vraie accélération, c'est celle-là. Bien sûr, le mouvement, Galilée avait raison, il est en t carré. Sauf que l'accélération, ce n'était pas G sinus alpha, c'est 5 septièmes. Alors, 5 septièmes, donc il va falloir pour les trouver, on peut faire l'expérience, on peut faire un TP et voir tout ce qu'on raconte là est vrai ou pas. Et pour le trouver, pour vraiment être précis, bah, il faut mesurer le temps de manière précise. Sinon, 5 septièmes, c'est proche de 1, ce n'est pas trop loin. Mais la vraie valeur, c'est celle-là. Et si c'est un cylindre, bah, le moment d'inertie n'est pas le même, l'accélération n'est pas la même. C'est 2/3 de G sinus alpha, l'accélération pour un cylindre. Donc, vous voyez l'incidence de la répartition des masses, de la géométrie de votre solide sur l'accélération, le mouvement de votre solide. Donc, en fait, ici, on a résolu 21. Alors, est-ce qu'ils sont tous là? 53 connectés. Alors, j'espère qu'il y a moins de connectés par poste, ce qui fait une centaine d'étudiants. Donc, le problème, voilà comment on traite un problème pratique et comment on trouve une accélération en considérant tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. J'ai voulu faire cet exercice-là, il n'est pas fini, pour vous montrer comment on utilise les relations qu'on a établies jusqu'à présent dans un cas très pratique. Et là, ce que j'ai fait, l'exercice n'est pas fini. Comme vous pouvez le voir, il y a encore 3 slides encore à faire. Mais je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais je vais juste insister sur une chose. Sur le fait qu'on a une... Oui, il y a quelqu'un qui me pose une question. Oui, alors, au moment d'une force, par rapport à un point, oui, alors les PRL passent par l'axe. En fait, qu'est-ce que le moment d'une force par rapport à un axe? C'est la distance entre l'axe et le point d'application de la force fois la force. Vous avez déjà le moment d'une force, c'est ça. C'est la distance, c'est le bras du levier, le bras du levier fois... Alors, si je prends cet axe-là, delta, et la distance entre le point d'application de la force à l'axe delta, elle est nulle. Donc, le moment de la force, à partir du moment où il passe par delta, il est nul, peu importe, soit Rn ou G. D'accord. Donc, le moment de la force F, c'est la distance entre l'axe, si
je résume de manière simple, c'est ce qu'on a trouvé. C'est la distance de la force à l'axe, c'est R fois la force. Pour P et pour N, c'est la même chose. Sauf que la distance, il est nulle, parce qu'en fait, il passe par l'axe. Les deux forces passent par l'axe. C'est bon, là, qui m'a posé la question? C'est toujours, toujours. OK. Sinon, vous revenez à la définition d'une force, au moment d'une force, vous faites le calcul, vous allez trouver ce que je viens de vous dire. Donc, ce que je disais, voilà un exemple typique. Alors, ce qui est important, c'est cette force, vous voyez bien le frottement. La force de frottement, il dépend de la géométrie des masses encore. Vous voyez, F, il est là. Donc, ce n'est pas la même pour le billet, pour le cylindre, parce qu'il dépend du moment d'inertie. D'accord. Donc, a priori, on la connaissait, c'est normal qu'on ne la connaît pas, parce qu'il va dépendre de notre système. Et là encore, pareil, toutes ces choses-là qu'on établit de manière, je dirais, avec des calculs, avec des principes, s'il y avait le temps, on aurait fait des TP et vous auriez pu vérifier tous ces points-là, parce que là, je vous ai déjà dit plusieurs fois que l'approche scientifique, c'est la confrontation théorie-expérience. Bien, alors, ce que je vais faire la prochaine fois, c'est ce qui suit ici, c'est en fait pourquoi j'ai... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai changé l'angle, c'est devenu bêta, il faut que je le change. Pourquoi j'ai glissement, pourquoi j'ai roulement, quelle est la condition pour avoir roulement sans glissement, pour avoir glissement donc, quelle est la condition pour avoir, là je suppose dès le départ que j'ai que le glissement, roulement, pardon, que j'ai que le roulement sans glissement, et dans ce cas-là, dans cette situation-là, ben, on a établi les ça, il faut changer, c'est alpha, je ne sais pas pourquoi il est devenu bêta. Si je l'appelle alpha dès le départ, il faut que ça continue par alpha. Oui, c'est alpha, c'est une faute de frappe ici, il faut changer. Donc, voilà un exemple d'étude de mouvement. Donc, cet exercice-là, c'est un exercice typique de mécanique des solides. Et alors, il est décliné parfois. Là, c'est un roulement. Donc, le dernier que vous allez faire, j'ai changé. Plutôt que de rouler, il y a une roue qui monte. Donc, pour que ça monte cette fois-ci, il faut que j'applique un couple de forces. Donc, vous voyez, je le mets dans l'autre sens. Mais dans ce cas-là, pour que ça monte, il faut que j'applique des forces. Mais c'est typique de ce genre de troisième monde que vous allez faire en TD, qu'on fait ici. D'ailleurs, je rajoute des forces par rapport à ce qu'il y a ici. Je vois qu'elle se déconnecte. Donc, voilà le traitement exact et correct du roulement d'une bille ou d'un...